Et donc, et ben, nous revoilà pour la mission suivante, donc après le cher bug de ma clé USB, à la con, elle m'énerve. Donc, oh putain. L'eau est vraiment bien faite, hein. C'est abusé. Du large me fera du bien. Oh là là, l'ambiance qu'il y a, ça. Franchement, limite, on prendrait carrément. On se met carrément à la place du personnage, c'est vraiment énorme. Je pense qu'il faut grimper. Ah non. Oh putain, mais je suis perdu dans ce bateau, moi. Pourquoi, pourquoi ça scintille, ça? Jouer. Oh mais non, je veux pas jouer. Aïe aïe aïe. Ah. Capitaine, je suis un capitaine. Allez, matelot. Et ensuite, tout se passerait bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non, mais ça ne plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien. Je dirais que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place. D'accord, ok. Et pourtant, vous êtes là. T'es un plaisantin, hein? Voyons si tu trouves ça drôle. Ça suffit, Greg. Allez, petite mise en ambiance bah, pour se rappeler les. Ok, donc. Ok, maintenir B enfoncé. Maintenir B enfoncé pour mettre. Bah, je maintiens B enfoncé, qu'est-ce que tu. Ok, d'accord, bah, y a déjà le premier didacticiel que je comprends rien. J'appuie sur B enfoncé, mais ça fait que dalle. Ah, mais d'accord, en fait. Je comprends rien. J'ai réussi à en faire une. Je comprends pas. Bah, je pars bien des trucs là. Achève-moi ce pantin. Attendez, mais attendez, les gars, il y a un truc que je comprends pas. Regardez, je fais bien enfoncer pour mettre en posture de parade et détourner les attaques. Bah, je le fais bien. Qu'est-ce qui me fait chier là? Attendez, mais je comprends pas. J'ai réussi à en faire une, maintenir bien enfoncé pour mettre en posture de parade et détourner les attaques. Mais je comprends. Ok. Ah bah d'accord, en fait c'était tout con, fallait juste appuyer sur bien enfoncé. Ok, d'accord. Par contre là. Je peux pas en fait. Allez, grave. Ça fait des. Esquive. Oh, comment je l'ai niqué. Bon, excusez-moi. Mais là, je comprends rien du tout. Là, je suis perdu. Je maintenais bien enfoncé, mais en fait, ça faisait rien. En fait, fallait tout simplement me taire d'enfoncé tout au long du. L'espèce de didacticiel là. Ah, voilà, d'accord en fait. Ok. Comment je l'ai niqué. C'est qu'en fait on apprend prise par prise et on peut pas faire voilà dès le début. Tu crois que j'ai peur de toi? Des prises d'assassin. Mais vous le devriez. Ok, j'ai compris un peu le truc. Allez, si. C'est bon, c'était juste le début là que je galérais un peu, mais sinon. Jamais. Oula, putain c'est. Oula, le bibi, ça énerve là. Oh. Ah ouais, d'accord, je l'ai désarmé. Ok. C'est A pour désarmer. Que se passe-t-il ici? Capitaine, j'attends vos explications, monsieur Kenway.
c'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paye, vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, j'allais oublier. Voilà votre couteau. Bien fait, là. Alors, go. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Et bim, dans les dents. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Suis-je fait comprendre? Comme il bronche pas. Abusé. Bois pas son pinard, mal poli. Bonne journée. T'es de la villageoise. Limiter la perte de santé. Objectif. Bah, je l'ai ou pas? Ok, donc apparemment il va y avoir une mutinerie. Faut que j'aille en bas. Ouais, je crois. Donc on va aller voir ça. Ah, c'est le petit médaillon qui permet d'ouvrir une cachette secrète, apparemment. Ok. Océan Atlantique, jour 28. Doudoudou. Monsieur Kenway. Capitaine. Quoi qu'il mijote, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Ouh là là, à mon avis, ça va sentir la bagarre là dans quelques secondes, les amis. Ça va sentir la bagarre. On est des malades, on est des fous. Il a encore réduit nos rations. Ah oui. Vous entendez? Ils sont en train de parler sur le capitaine, c'est pas bon ça. Je fais semblant de travailler l'autre Kili. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. On se croirait vraiment dans un film, c'est vraiment énorme. C'est les premières, j'ai joué quoi? Une demi-heure au jeu, je suis vraiment, mais. Oh là là, sur le cul quoi. C'est le cas de le dire. On va aller voir le cuistot là. Oh putain. Pas de service avant 2 heures. J'ai quelques biscuits sous la main, c'est de mourir de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre? Certains hommes ont-ils un comportement étrange? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Et où puis-je le trouver? Il est juste derrière vous, le gars assis sur le tonneau.
Ok, on va aller chercher le mec sur le tonneau. Ah, il est là. Êtes-vous James? Ouais. Ethan Kenway, ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais. N'est pas ici. Suivez-moi. Comment ça s'enlouche là? Est-ce que vous voulez ça? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Nils a tenté de les calmer, mais... C'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Ok. Apparemment, les matelots, ils détestent le capitaine. Donc je pense que la faute viendrait de lui. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau. C'est quoi ça? Ah, des tonneaux. Quelqu'un jette des barils là. Oula, ça sent l'embrouille. Je sais pas ce qui se trotte là sur ce bateau, mais. On va carrément courir. Alors, apparemment, faut que je trouve quelqu'un qui est responsable de ça. Peut-être il est par là. Personne. Je comprends pas où il est le mec là. Peut-être par là? Non, pas par là. Ah d'accord, c'est ça, ok. Fallait pas trouver un mec, fallait trouver un tonneau. Putain, j'ai vraiment du mal à reprendre un peu le fil là. Il y a une croix dessus. Peut-être c'est de l'explosif ou je sais pas. Très étrange. Tu m'étonnes que c'est étrange. Tu crois que les tonneaux ils ont des petites jambes? Il a son petit journal intime. Il prend des notes. Du nouveau, chaque nuit c'est la même chose. Patrouille un secteur, mais il jette les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre perdue. James peut-être, Mills. Mais pourquoi font-ils ça? À mon avis, ces barils servent de repère. Ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent aient l'intention de... Navire en vue! Et voilà. Il se prépare à faire peur! En fait, ouais. Ils faisaient comme le petit poussé, quoi. Armez-les! Ils nous ont trahis, c'est bon. Touchez-vous! J'allais dire un vilain mot, mais je l'ai pas dit.
semences. Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder. Mais alors là, moi je les attends. Tous aux pièces. Ça y est, moi, je suis chaud là pour le combat. Descendez au pont inférieur. Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez créer une voile, charger un canon, vous battre en mer. C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Mais sur couillon, on sait se battre. C'est pas compliqué pour faire péter un canon là. Non mais où? Fermez les coutilles. Oh les enfoirés. Éteins. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Bien. C'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on en traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? Mais oui! Ouh là là, ça sent le combat. Ah, énorme! Le vieux combat là sous le bateau là. Oh putain. Allez! Si, si! Oh putain! On prend cher. Allez! Si, si. Là, je crois que j'ai retrouvé le fil là. Enfin, je dis ça depuis tout à l'heure, mais je me fais quand même avoir sur des moments. Mais c'est vrai que. Il y a des touches que j'ai oubliées. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie. Il a agi seul. Que veulent-ils? Cet enfoiré de merde, en fait, était un traître. Alors qu'ils vous prennent? Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous votions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Putain! Pas de main morte lui hein. Allez, je crois qu'on va se battre contre le bateau. Toujours derrière nous. Il faut s'occuper de Cédric! Je vous avais dit que c'était de la folie! Je vais me charger de votre voile. Alors, la voile, elle est où? Elle est là. Donc faut accrocher les voiles là, parce qu'avec la tempête là, ça risque de tout arracher. Enfin, je pense. Putain, on va vite chercher des trucs à l'arrière. Putain, mais ils peuvent pas le faire là. Ah, désolé si je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment à fond dans le machin. J'espère que le bateau il va pas nous dégommer. Ah la salope! C'est un bon le mec hein, quand même. Ouh là là, là à mon avis on va grimper là. Alors comment on pourrait faire pour grimper là-haut? Comme les matelots, par là. Ok, donc là il est là. Hop. Donc ça c'est là. On va aller à gauche. On va grimper là. Voilà, nickel. Oh le mec, quoi ce fou! Oh ce beau gosse. Merde, l'éclair.
T'as l'air accroché, toi. Je pense qu'on va aller le sauver. Ouais, on va aller le sauver. Putain, c'est vraiment un fou. J'arrive. Comment on fait là? Voilà, nique. Merci. Qui fait quoi lui là-bas? Ah bah il est coulé. Il est coulé. On est sauvé. Donc on a réussi à survivre à cette petite tempête. Enfin pas une petite hein, quand même, une grosse on va dire. Parce que l'autre bateau il a coulé. Oh putain. Bon, excusez-moi, voilà, il y a mon chat donc. Attendez. Hop, et me revoilà. Ouais, j'ai fait sortir mon chat parce que voilà, hein, il avait envie de pisser. Putain, ça boutique. Donc excusez-moi, je pense que je sais pas, je ferais peut-être une petite ellipse. Mais bon, je sais pas. Éclipse, pardon. Donc ça, il m'a perdu. Ah non, c'est bon, faut que j'aille là. Oh là là, saleté de chat. Alors, on est où? Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Il pourrait pas nous dire, tout simplement. Ok. Alors, on va grimper. Hop. Oup. Ouais, je crois que c'est par là. Ouais, c'est... Putain, mais c'est que c'est haut ce bordel hein. En même temps c'est un peu le but hein. Vous allez me dire. Donc ouais, je pense que les vidéos je vais les séparer par mission. Donc une mission bah ce sera une vidéo. À part si la mission bien entendu dure pas trop longtemps, donc j'en ferai deux. Deux dans la vidéo. Mais sinon ouais, si elle dure à peu près une demi-heure, je séparerai les vidéos. Enfin plutôt les missions. Ah, magnifique. Magnifique le plan de vue. Avec une bande son vraiment énorme qui correspond très bien au moment. C'est vraiment beau. Et voilà, une mission de plus de terminée. Donc là, on en est à la deuxième. Donc, c'est vrai que j'en ai pris plein la gueule hein, dans cette mission. C'est vrai que oh là là, les paysages, ils sont vraiment beaux. Quoi. Enfin, le paysage, surtout de fin, là, il était vraiment beau. Donc, on va se couper là. Et bon, on se retrouve eh ben, pour la mission suivante. Allez, salut tout le monde!